Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres. Je vais essayer de parler plus fort, c'est le matin, donc normalement on est samedi matin. Je viens de le recevoir, j'ai campé dans ma cuisine pendant une heure pour être sûre que le facteur ne parte pas, puisque en général ils sonnent et ils s'en vont, donc j'ai même pas le temps de descendre, c'est une maison de ville, hein. Donc sur plusieurs niveaux. Donc voilà. Et j'ai eu mon colis, donc je viens de recevoir le colis de mon plume Adeline. Voilà, donc je l'ai juste pré-ouvert. C'est très rare hein, que je n'ouvre pas avant, mais bon, là, il vient d'arriver, j'ai pas d'excuses, hein, je n'avais pas l'ouvrir avant. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà. On va récupérer le papier rose. Ça tombe bien, j'ai pas fait l'aspirateur parce qu'il y a des confettis à l'intérieur. Et on va ouvrir ensemble. Waouh! Je l'avais pas. Je crois que c'est la même que Camille. Celle-là, je ne l'avais pas. Hop! Je sais pas trop comment. Alors, attendez, on va faire comme ça. Là, on va le mettre là. Tac. Et voilà. Est-ce qu'il y a un ordre? Je ne sais pas. Ah, la marque de fabrique d'Adeline, les petits sachets senteur. Alors là, j'ai pas allumé de lampe spéciale. J'ai la lumière, le plafonnier et la fenêtre ouverte. Mais bon, le soleil est là. Donc, il fait... je sais pas, il doit faire plus de 28 degrés alors qu'il est même pas 11 heures. Donc, voilà, voilà. Donc, vous l'avez vu. Hop, la jolie trousse. Là, j'ai un petit bonbon. Des confettis qui tombent de partout. Un petit paquet, mais vous ne voyez pas, mais le cœur y est. Hop là. Tout plein de confettis. Là, vous voyez ni le bureau ni ma tête, c'est formidable. Je me bats avec les confettis. Hein. Hop. Et tac. Oh là 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 là. J'imagine juste. Alors, je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de carte. Hein, si j'ai bien retenu. Enfin, tu savais plus. Hop. Et voilà. Alors, par quoi on commence? Allez, par la trousse. Parce que je vois que non seulement j'ai une superbe trousse, mais en plus, il y a des choses à l'intérieur. Il fallait peut-être pas commencer par là, mais... C'est toujours le problème, hein, quand on reçoit, on ne sait pas dans quel ordre il faut y aller. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça fait gling-gling. Oh, qu'il est beau! Regardez. Un pinceau altéré, il est tout mimi. Ah, les tondailles insectes, j'avais vu. C'est sympa, ça rend super bien. Très joli. Merci beaucoup. Donc, vous vous rappelez, hein, puisque c'était. On a fait un échange sur le thème. Enfin, pas sur le thème. Un échange libre avec la collection. C'est soit je monte, soit je descends, mais il faut quelque chose au bout d'un moment. Avec la collection Better Times de Minté. Waouh! Un stylo rose. Voilà.
Super idée. Une lime, hop, qu'elle a customisée dans un emballage. Avec un petit napperon. Ça, je connais pas ces embellissements là. Voilà. Et un crayon de papier. Comme ceci. Je garde le plus gros pour la fin. Le petit bonbon. Alors, on a les ciseaux. C'est bien serré, hein. Comme d'hab, je suis coiffée mes photos. Qu'est-ce que c'est? Du bruit. Oh, que c'est joli. Oh, super idée. Regardez, un petit pot bonne maman qu'elle a altéré avec une petite bobine d'un fil très joli d'ailleurs. Et à l'intérieur, il y a des pompons. De toutes les couleurs. Oui, c'est des pompons. Enfin des... Oh, il y a un beau mint assorti à... Bon, là, ça va rien rendre, mais il est très beau. Tac. Super idée. Je vais aller acheter des petites confitures. Très très bonne idée. Hop. Ensuite, il y en avait un petit carré. Oh, superbe. Superbe. Oh, attendez. Hop. Ah, bah c'est mon premier, ça. J'en ai pas. Alors, je vous montre comme ça, déjà. Comme c'est joli. Bon, après, les papiers sont magnifiques, mais c'est vrai que on n'a pas grand-chose à faire derrière. Et à l'intérieur, c'est mon tout premier. J'en ai pas fait et encore jamais eu un CD altéré avec le petit volet en bois, en chipboard. Très joli. C'est marrant, le papier jaune, là, il me dit rien. Bah, c'est lequel, celui-là? Je vois la lanterne, c'est un calamie. Maintenant, il y a les bougies. Très, très joli. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment sympa. En plus, l'idée de le mettre dans un hublot, comme ça, c'est vraiment très sympathique. Allez, on s'attaque. Alors, j'imagine le temps que ça t'a pris. Moi, tu vois, j'ai fait ma feignante, hein, j'ai acheté un support tout fait. Et tu vois, j'ai comme l'impression que tu l'as fait toi-même. Hop. Bon, je vais pas le déchirer. Parce que... Et au départ, on s'était dit, waouh. Oh, mais regardez-moi ça. Rien que ça, les tuiles, comme c'est beau.
superbe. Regardez. Trop, trop beau. Donc, il y a un grand volet, des fleurs. Les die-cuts de la collection. Superbe. Et ouais. Ah, trop joli. Ah, ben moi aussi, ouais, je te l'ai mis. Toi, tu l'as mis là. Superbe. Ouais. Je sais pas. Je fais pas de bijoux d'album. Pourtant, je trouve ça trop, trop beau. Mais c'est vrai que. Voilà. Et là, la superbe porte bleue. Alors, moi, vous l'avez pas vu dans mon échange. Puisque quand j'ai attaqué. Quand j'ai reçu mes papiers le premier soir, j'ai dit, allez, je commence. Et en fait, derrière, c'est des papillons. C'est qu'une feuille avec des papillons. Donc, je m'étais dit, je vais découper les papillons. Mais bien sûr, j'avais les papillons en face. Je n'ai pas regardé. Et paf, j'ai coupé. J'ai en plein milieu de la porte. J'étais un peu dégoûtée. Mais du coup, j'ai la porte. Voilà, voilà. Alors, je pense que ça s'ouvre. Ou pas. Ah si, je vois là. Alors, superbe. Puis alors, les tuiles, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Enfin, j'adore. Regardez. Superbe. Et à l'intérieur, ben, c'est pas fini, quoi. Regardez-moi comme c'est beau. Superbe. Rigolo, ah oui, on a fait plein de choses en commun. Donc comme au départ on était parti sur un flip tag, elle a mis un anneau comme ça. Et moi c'est pour ça que j'ai accroché dans. Ah mais ça s'ouvre là. Oh superbe. Regardez. Une checker super jolie. Avec du tulle, du coup, on a l'impression que ça fait un peu les cages à poules. Là, c'est trop joli. Enfin, ça se prête vraiment bien au thème. Et c'est pas encore fini. Tu as dit que tu n'avais rien fait. Tu m'as pourri gâté. Oh là là, que c'est beau. Regardez. C'est magnifique. Alors, des petits sequins, très jolie couleur. Je ne sais pas si je vais réussir à... Bon, attendez, vous savez ce qu'on va faire. Je vais prendre 2 minutes pour la regarder vite fait. Vous me direz, je peux aller voir après, mais quand même. Superbe. Magnifique. Oh là là, les petits coquillages, là. Alors ça m'énerve. Je vais être obligée de péter le... De découper le sac. Des petits tickets. Tes anecdotes. C'est rigolo, hein, parce que c'est quand même... offert des choses similaires. Enfin, voilà. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas 200 000... Alors, je trouve qu'il n'y a pas 200 000 options. Trop joli. Fait main par mon plume scrap. C'est trop beau. Alors, je vous remontre. Bien que j'ai encore pas tout vu, hein, mais je vous montre quand même. Donc là, on a une petite pochette. Mais je ne peux pas vous montrer comme ça. Avec une étiquette. Et à l'intérieur... Ah, génial! Des découpes d'insectes. En doré, superbe. Je ne vous les montre pas toutes. Hein. Tac. Dans une petite enveloppe trop jolie. Ensuite... Là, hop, vous avez
une checker en papier calque tout cousu. Ça, moi, je fais pas. Et là, des petits embellissements en mousse toutes les couleurs. Là, des sequins avec ceci là, avec les coquillages, là, ils sont trop beaux. Ils ont une belle couleur, très jolie couleur. Là, le petit mélange aussi est fort sympathique. Des petits tickets. C'est où la caméra? Là, là, là. Voilà. Alors, des enamel dots dans une superbe pochette. Bon, je ne rends pas hommage, c'est une enveloppe. Voilà, c'est dans une enveloppe. Et des petits stickers alphabet avec le ruban doré qu'on a utilisé. Non, je ne sais pas si j'ai utilisé moi les étoiles. Non, moi j'ai fait des feuillages. C'est superbe. Superbe, superbe. De l'autre côté, nous avons une rosace qui est trop belle. Comme ceci. Vous voyez, on a fait un peu. C'était une très bonne idée d'utiliser celui-là, mais j'en ai pratiquement plus moi de celui-là parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et au verso, ces embellissements là, ça rend vraiment joli. Voilà. Une Memory Dex Checker dans un superbe sac. Et des petits embellissements là, c'est trop joli. Regardez-moi ça. Tout ça dans un compartiment. Alors ça, c'est vraiment top. Je sais pas comment tu fais ça. Tu l'as peut-être déjà montré dans la vidéo, mais je trouve que c'est vraiment très beau. Regardez. C'est une pochette. Et là, c'est un checker. Voilà, voilà. Eh bien, écoute Adeline, je te remercie beaucoup. C'est, tout est très beau. Tu t'as dit que tu n'avais pas fait grand-chose, ben quand même, hein, tu as fait beaucoup de choses. Tu as trouvé un papier. Ah, mais c'est le fameux calque que j'aimais bien en plus, non? Je crois. Hein. Un papier qui va bien avec. Je m'étais un peu moquée de toi quand tu cherchais tes papiers et je me suis retrouvée dans la même difficulté que toi. Enfin, franchement, tu as super bien bossé. Je te remercie beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tous des bisous aussi. Et à très bientôt. Bye bye.